Bien Estevier ne donne pas sa bénédiction à n'importe qui. Quand il détecte le talent de Jerry Leonid à l'atelier Mozart, le regretté saxophoniste savait déjà que c'était un virtuose. Cela a été confirmé à Nottingham et à Montreux. Here is pure genius. Ben, Jerry Leonid, nous enfants Pointe-au-Sable, quand même, on grandit dans Pointe-au-Sable. On commence la musique grâce à mon papa, Lindsay Leonid, qui est guitariste. Et ouais, c'est vers l'âge 7-8 ans, par là, on commence vers la musique, un petit peu la guitare. Après, on arrive vers le piano. Et après, on beaucoup assez classique hein, dans la musique, c'est-à-dire qu'on gagne l'occasion. Jouer dans l'église avec différents chorales, tout ça, dans le quartier. Un petit peu plus tard, vers l'âge 14-15 ans, on a joué l'hôtel. J'ai eu l'occasion de faire un piano bord, notamment dans l'hôtel Ambre, Ambre Hôtel à l'époque, qui était occupé par Cyril Michel, donc c'est un peu grâce à lui aussi. Et après, en même temps, donc un petit peu le collège, tout ça là, bien en même temps, j'ai eu un atelier, un SV, hein, regretté un SV qui était animé. Tous les samedis, mais on t'y anime ça bénévolement, parce que tu fais que retourne depuis l'étranger. Tu anime ça bénévolement pour tout bon musicien qui t'est intéressé dans la musique improvisée, dans le jazz. Tu peux faire ça à l'atelier Mozart tous les samedis. Mais moi, tu as gagné l'occasion à Saint-Tigin et avec lui, donc profite de ce enseignement. Et il dit tiens moi, ben ça, tu peux un projet. Moi, tu as un projet pour étudier. Moi, tu peux quoi ça. Il a dit moi, voilà, si tu as envie vraiment faire la musique. Vous pensez, Maurice, à l'époque, Patina encore assez infrastructure encadrée pour apprendre jazz avec la musique improvisée. Et donc, ce qu'il nous fait, l'India moi, ben, voilà, donc, il est un peu à l'étranger, Paris notamment, il connaît un camarade qui s'appelle François Jeannot, qui occupe le conservatoire. L'India moi, voilà, c'est ça, nous avons dit. Et en même temps, dans la même foulée, nous avons une ligne les mottes. C'était en 2002, mon corps, c'est pas 2001, 2002. Et il était en vacances, c'était là où tu peux qu'au sol, il est bassiste, résident en France. Et il dit, moi, oui, peine à les choix, si tu as envie de faire les bien, il y a des endroits, soit à l'Amérique, soit tu viens à France, Paris, notamment avec ma professeur qui est là. Il dit, moi, venez, nous ne connaissons pas dans qui me gère les cahiers de moi, mais venez faire Thomas Demos. Là, moi, je fais Thomas Demos, moi, allé. En 2003, moi, je quitte Maurice. Après, moi, Chelsea, moi, je quitte Maurice, moi, allé. On a la France. Moi, je passe pas une université, d'abord. Et là, je vais faire mon inscription au conservatoire. Je commence mon parcours musical en Europe. Comment un jeune Mauricien qui débarque à Paris et rentre en conservatoire, comment tu vis ça, des paysans? Et le dépaysement-là n'est pas facile. Il n'est pas facile au début parce que ce système-là est complètement différent. Un système différent et dans le sens qui. Déjà, l'enseignement dans Maurice, ne pas apprendre la musique, nous jouer la musique, nous autodidacte. Hein. Et tu arrives là-bas, je t'écris tout, je t'affaire, je t'étudie, etc. Il y a un peu un choc un peu pour moi au début. Puis je remets tout ce qui m'ont déjà connu parce qu'ils m'ont déjà joué la musique. À ce là je remets non tout ce qui m'ont déjà joué. C'est assez difficile au début. Et puis solfège, l'apprentissage solfège, c'est difficile parce que solfège, plus on commence tout petit, plus il est facile. On commence assez tôt finalement. On commence un petit guin en prévision, comme au Timorus dit avant moi aller. Et après là-bas, donc c'est assez difficile parce qu'il y a une salle cordée avec ça. Après météo. Météo, bah, il joue un grand rôle aussi. Hein. Nous pas habitués avec ça, la météo là. Donc à Paris, un peu gris, 6 mois, assez difficile pendant l'hiver. Et l'hiver grand matin, encore faire frais, faire noir, tout ça là. Qui te tient, qui te coltine toi avec solfège. Ouais. Là, comment tu rentres dans ça, l'univers, on va dire, professionnel. Et conservatoire, même, il y a une porte ouverte vers la scène, comment dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je fais un moment de contact, je suis avec qui je joue, c'est tout le monde avec qui je suis à l'école pour la plupart. Je pense, je ne connais pas un nom qui vient en tête, mais tout le monde camarade de classe. Donc, Madia nous fait un parti, nous font un parti la nouvelle scène. Et donc, quand un tel, il nous joue un tel,
Je tiens, je connais un bon pianiste, Sotlin Maurice, il est intéressant, il joue un peu de tout, il a une bonne oreille. Et en plus, justement, en tant qu'autodidacte, il a déjà un répertoire, que ce soit dans le jazz, que ce soit dans les autres, la musique, déjà assez étendu. Donc, il n'est pas difficile pour moi, je veux dire, pour intégrer n'importe qualité qui projet. Moi, je travaille avec un artiste africain, cubain, même man français beaucoup. Dans la world music, on fait beaucoup de choses. Donc, conservatoire, même, tiens une espèce de tremplin. Pour poil vers la scène, comment dire. Donc, moi, je suis content. Moi, je joue jazz, mais d'une manière assez plus world, tout ça. Et man standard, tout ce qui est le puriste, tout ça. Moi, pas trop vraiment intéressé. Mais quand on rentre dans un style comme ça, t'es obligé d'intéresser tout ça. Fait l'histoire du jazz, donc on étudie l'histoire du jazz, l'harmonie du jazz. Jazz traditionnel, bebop, hardbop, toute période dans l'histoire. Donc c'est ça qui m'a dit mon apprendre en mettant parenthèse ce qui m'a envie, ce qui m'a tient envie de faire. Bon, on reste comme ça pendant tout mon cycle. Après, comment on finit ça, comment on finit mon cycle au conservatoire, c'est même mon meilleur atout, mon caractère, la musique qui m'a tient envie de jouer depuis longtemps. Et ça l'est reflété aussi pour mon premier album qui est sorti là le 29 août. Donc on fait un hommage à la musique mauricienne. Donc tout en mélangeant le jazz qui m'en apprend à l'école. Donc voilà, ça c'est moi. Mais un projet comme ça, par exemple, dans le cadre académique, il n'est pas recevable. Mais là, on a l'occasion justement d'apprendre tout ça, mettre en parenthèse ce qui m'a envie de faire. Ils ont aussi mélangé tout ça. Et ce qui aussi donne moi mon identité artiste en tant que jazzman mauricien. Donc à dire ça comme ça. L'école jazz classique ou bien Miles Davis ou bien l'école jazz français. Ouais, ça veut dire mon sentiment plus proche avec voilà ton cause Miles Davis, c'est vraiment quelque chose un du monde qui vraiment qui on beaucoup étudier, beaucoup apprendre sur la musique de toute une période qu'il vient de faire. Voilà, mon cas dire, moi dire jazz qui vraiment qui n'est mort que moi, c'est pas 1965, 1968, voilà, c'est à l'époque là. Après, comment me dire toi. Dans l'école, tu es obligé à prendre une vieille standard, tu es obligé à refaire tout le circuit depuis 1910, tu refais tout le jazz classique traditionnel. Mais oui, effectivement, dans moi, je puise mon inspiration dans le jazz moderne, comme on appelle dès 1965, pour cause Miles Davis, Herbie Hancock, bien sûr, Keith Jarrett, George Benson, tout le monde qui vit dans sa période-là, qui correspond un peu plus. Par quoi, il y a un pianiste qui dit moi bon visuel piano jazz et mon pas pas écoute Keith Jarrett c'est que moi t'auras de faire littérature t'as pas lire man grand dans littérature il pareil hein. Donc Keith Jarrett c'est le vocabulaire c'est l'essence même parce qu'il lit même avant ma génération à cette là il fait même travail de recherche de mélange et puis sa personnalité non il y a aussi une grande source d'inspiration ouais. Tu connais un système éducatif qui brime tout le côté artistique. Oui. Et si un zen, on va dire, il a envie de vivre ce qui donne vie à le conservatoire, etc., qui te suis conseillé hein? Des salives. Et qui te suis dit, disons, au ministre de l'éducation ouais. Ben, c'est, ouais, Lola, tu as raison dans le sens qui. Bon, moi, je suis au Collège Royal de Pau, lui. Donc, on a le Collège Royal de Pau, lui, on est rentré. À l'époque, il y a un ranking, donc on est rentré. Mais déjà, moi, je suis déjà un musicien, moi, je peux déjà jouer. Mais c'est vrai que dans ça, une fois qu'il me rentre là-bas, je suis obligé, mais tout ça, je suis obligé de sainte ça. Je suis dès la vie, en fait, finalement. Et quand je suis dans la classe, tu as si tout le monde camarade, tu as envie de sauter lauréat, moi, je suis envie de devenir musicien professionnel. C'est vrai qu'il ne pas jamais eu l'occasion. Vous pensez, d'un poste, il y a un conseil que je vous donne à ma jeunesse, avant tout, qui a envie de faire la musique. Vous êtes bizarre, continuer dans le sens que, malheureusement, le système dit comme ça.
Pour une simple et pour une simple et bonne raison qui, par exemple, c'est grâce à moi et Chelsea qui m'ont capable d'aller étudier des hauts. Voilà, si je te connais, si tu peines à Chelsea, tu n'as pas qu'à intégrer un cycle universitaire, qui dit soit dans la musique, d'ailleurs, dans n'importe quel domaine. Donc ça, l'idée est importante. Mais en même temps, ce qui m'encourage de faire, God les deux, toujours, et Naman Jimoun, gros conseil, man musicien, qui déjà à l'étranger, compte essayer God, m'a dit un contact, pour qui, quand je ne parais, quand je ne finis faire d'autres études secondaires, je suis capable d'aspirer, aller, lis pas, moi tu peux cause moi l'expérience, lis pas. Pas inimaginable, bien quelque chose de faisable avec un peu de sacrifice. Vous pensez, si vraiment vous avez envie d'un musicien professionnel, vous pensez, c'est vrai que l'étude, comme à Banjimoun, peut étudier accounting, économie, vous pensez, nous avons aussi une apôtre pour Banjimoun, et c'est là que vous pensez, nous conseil, vous capable de donner à l'institution, notamment au ministère, essayer, comment dire, trouver un système pour conseiller sa Banjimoun qui n'a pas envie justement de faire accounting, qui n'a pas envie de faire économique, de faire engineering, je ne sais pas quoi. Donne-toi un conseil, mets-toi à l'époque, je me rappelle, c'est un organisme qui s'appelle SIFOD, je ne sais pas si, voilà, si ça a encore existé, qui peut te donner un conseil, mais pas d'un côté de la musique. Pas en an, dans ce livret-là, tu fais été dans toute l'université en France, Toulouse, Marseille, tu as été doctorat, etc., biologie, etc., etc. Mais jamais un mot, l'ON conservatoire, jamais un mot, l'étude artistique, même le journalisme à l'époque, moi, tu peux être pas payé dans la même documentation. Vous pensez nous manque un peu de soutien dans la documentation et que faire les enfants connaît dès qu'ils ont fait autre forme 5, je ne pas obligé brimer autres comme ça. Et nous avons la porte de sortie, mais malheureusement, nous avons passé par le cycle secondaire. Une fois qu'ils nous passent par le cycle secondaire, nous sommes capables, avec un peu de conseil, avec un peu de soutien, nous sommes capables après d'étudier aussi dans les domaines artistiques. Ouais. Même s'il vit désormais à Paris, Jerry Leonide sait ce qui se passe au niveau musical dans son île natale. Et le constat est accablant. Avis à ceux qui se complaisent dans le ronron de l'ennui. Ouais, il y a demi-teinte un peu. Hein. Donc, il y a. Bon, nous causons dans un signe encourageant. Signe encourageant, c'est un musicien qui. Man zen musicien. Il y a beaucoup de zen musiciens très talentueux qui justement ont envie de jouer l'autre la musique, ont envie d'apprendre à jouer l'autre la musique, ont envie de mélanger les autres choses. Donc ça, c'est intéressant. Mais malheureusement, quand il y a demi-teinte, l'autre côté, là, un peu, c'est bien, vous pensez, c'est qu'il y a un artiste mauricien, vous pensez que le pape fait assez faux, un artiste de renom, vous cause bien. Parce que si nous prenons nous ces gars depuis 25 ans, elle n'a pas de bouser, elle n'a l'innovation pas nena. Donc, elle est triste dans le sens que la population, elle consomme toujours la musique populaire, toujours prenant la musique populaire. Mais sinon, nous avons aussi une artiste qui fait un effort pour capable d'arriver comme un peu que ces gars décoller. Ces gars-là, jamais ils peuvent décoller si l'artiste-là, avec ce renom, parce que tu ne peux pas raconter aux un artiste pour faire ça, un artiste de renom, mais ils ont un peu, comment dire, en péril, en risque, prennent risque, font une prose, collaborer, c'est sans un peu, ça rigole. Couler à ces gars finalement, parce que si nous pas fait aller, avec mon monita depuis 25 ans, moi pas tout aucune différence entre un ces gars qui moi pas connais, moi on pense Jean-Claude, Manu, qui fait une carrière assez longue et qui nous peut causer de ça, qui peut faire aussi sur 30 ans carrière. Moi, quand tu fais un parallèle entre ça, des mondes là qui n'a combien de temps, peut-être 40 ans de différence, elle ne peut pas nous bouger, c'est la même chose qu'ils ont fait pendant 40 ans. Et voilà, c'était la qui s'en a une plus de mérite entre les deux, mon pensée, man dit qui fait ça avant. Donc refaire ça aujourd'hui, mon pas tout lié aucun intérêt. Il y a tout le temps du monde pour faire. Mon pensée là il vient l'artiste à sa responsabilité, nous besoin faire quelque chose. Un album, dédié un album, mais c'est fait un PRCS, c'est mélange un tigine. Donc moi content, mon écoute album Zulu, Pavadik, donc qui est vraiment une bouffée d'air frais dans le paysage mauricien. Voilà, acoustique. Sont un petit peu en français, mélange un petit peu, quelque chose, Rodenban, les autres rythmes. Voilà, une bouffée d'effraie dans le paysage mauricien. Et le public suive, la preuve. Hein. Il y a un artiste qui est vraiment coté dans Maurice. Vous pensez que c'est une initiative comme ça qui ne pourra pas faire du Sega décoller. Man. Jerry Leonide est en concert au Conservatoire François Mitterrand demain soir. Courez y applaudir ce formidable pianiste. Il nous rend tout simplement fiers d'être mauriciens.